Bonjour tout le monde, c'est Soudaf avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette d'une délicieuse charlotte au chocolat et à l'orange. Une recette très simple et facile. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Tout d'abord, on va commencer par préparer notre biscuit fin. Pour un moule de presque 20 cm, je vais avoir besoin d'un œuf entier et d'un blanc d'œuf. On ajoute à ça le sucre. Le sucre vanillé. Une petite pincée de sel. Et on va bien fouetter. On ajoute maintenant la farine ainsi que la pincée de levure chimique. On va bien tamiser le tout. Et on va introduire comme ça avec le fouet sans trop mélanger. Pour ne plus avoir les grumeaux de farine. Le four, je l'ai préchauffé à 170 degrés. Mon four est bien fort. Donc chacun comment qu'il est son four. Et je vais faire la cuisson pendant presque 10 à 12 minutes. Je surveille jusqu'à ce que ma ginoise ou mon gâteau fin obtienne une belle couleur. Voilà, je dois obtenir un ruban comme ça. Je verse ma pâte comme ça dans un moule de presque 20 cm chemisé de papier de cuisson. Alors, je prépare mon four, 12 minutes. Et voilà mon gâteau à la sortie du four. Maintenant, on va préparer l'insert au chocolat blanc. Je vais commencer par faire gonfler la gélatine dans un peu d'eau froide. Les quantités, comme toujours, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. On va laisser bien gonfler. Je prends comme ça une quantité de chocolat. Je vais ajouter à ça un peu de crème liquide bien chaude, pas brûlante. Et pas bouillante, on va faire fondre le chocolat. Le chocolat n'a pas besoin d'une température bien élevée pour fondre. Vous pouvez bien sûr faire ça sur un bain-marie. On introduit maintenant la gélatine qui a bien gonflé. Elle doit être bien essorée. On mélange bien jusqu'à ce qu'on s'assure que la gélatine a bien fondu. On va laisser tiédir. On va fouetter maintenant notre crème liquide en chantier, pas trop ferme. Juste comme ça. Ma crème est prête. On va prendre comme ça une petite quantité de notre crème pour diluer comme ça ce mélange. Je vais ajouter un petit peu de vanille à mon mélange de chocolat et là on va verser ce mélange de chocolat
sur notre chantilly. On va tout doucement insérer le tout, comme ça. Je vais verser cet insert dans un cercle pâtissier de presque 18 cm. On va verser comme ça notre crème ou notre insert. Et on va mettre au frais, au congélateur, le temps de préparer l'insert à l'orange. Maintenant, je vais préparer la gélatine pour l'insert d'orange. Je vais la faire gonfler dans un peu d'eau froide. Maintenant, je vais préparer l'insert à l'orange. Donc, j'ai pris une quantité d'orange que je vais réduire en purée. Je vais bien sûr goûter un petit peu mes oranges pour m'assurer qu'elles ne sont pas trop sucrées. Elles sont juste moyennes. Normalement, pour ma recette, la quantité du sucre doit faire le 1/3 de la quantité des oranges. Par exemple, ici, 300 g d'oranges, je dois mettre 100 g de sucre. Mais comme les miennes ne sont pas trop acides, je vais utiliser 80 g de sucre. Je vais cuire ça en compote jusqu'à ce que la compote devienne bien translucide. Comme vous voyez, ça devient une belle compote. Là, on va retirer du feu. Comme ça, j'introduis la gélatine bien gonflée et bien essorée. Je vais bien mélanger et laisser refroidir un petit peu avant de la verser sur la mousse au chocolat blanc qu'on avait réalisée tout à l'heure. La compote a refroidi un petit peu. Maintenant, je vais la verser sur la mousse au chocolat et on va l'étaler uniformément. Je vais remettre au congélateur et on va passer à la préparation de la mousse au chocolat. Pour la mousse au chocolat, je vais préparer une sorte de crème anglaise, donc des jaunes d'œufs, auquel je vais ajouter du sucre. Donc là, je vais introduire le lait. Je m'assure tout d'abord que le mélange est bien homogène avant de mettre sur le feu. Là, je vais cuire sur feu doux jusqu'à ce que cette crème devienne un petit peu onctueuse et qu'elle nappe bien le dos d'une cuillère. Donc là, je vais allumer comme ça. Je continue à remuer jusqu'à ce que la crème épaississe un petit peu. Comme vous pouvez voir, la crème commence à s'épaissir. Voilà. Je vais retirer du feu. Je vous montre comment elle commence à enrober comme ça la cuillère. On arrive à voir que c'est bien crémeux. Donc notre sauce anglaise est bien prête. Là, on va introduire le chocolat. On va mélanger jusqu'à ce que tout le chocolat soit bien fondu. J'ajoute à ce mélange de la crème liquide bien chaude. Je mélange encore bien pour homogénéiser le tout. Maintenant, j'introduis la gélatine. Voilà. On doit s'assurer qu'elle a bien fondu dans le mélange. Et on va préparer la crème chantilly. Maintenant, on va introduire le chocolat ou la crème au chocolat qu'on a préparée. On s'assure que la crème qu'on a préparée est bien froide. Et on va commencer à l'introduire tout doucement. Par petite quantité.
Là, j'ajoute toute la quantité. Donc, je l'ai ajouté en 3 fois. Si vous voulez utiliser une autre mousse sans gélatine, je vous passerai le lien d'une délicieuse mousse que j'ai réalisée pour un gâteau de mousse au chocolat. C'est une belle recette. Comme ça, ma mousse est bien prête. Et maintenant, je passe au montage. Je vais tout d'abord tracer un cercle dans mon gâteau fin. Je vais aussi utiliser des boudoirs. Voilà. Je le place comme ça. Je prends un cercle pâtissier. Le mien est un cercle qu'on peut changer la taille. Donc, je vais le placer de manière à laisser de l'espace un petit peu pour les boudoirs. Comme vous voyez, je laisse un petit espace pour pouvoir dresser les boudoirs. Comme ça, on va dresser les boudoirs que j'ai coupés pour qu'ils soient placés sans problème. Pour qu'il ne tombe pas. Comme vous voyez, j'ai bien dressé les boudoirs d'une manière qu'ils soient bien serrés les uns aux autres. Là, je vais juste imbiber avec le sirop que j'ai préparé. Ça va absorber après. Maintenant, on va verser la moitié de la mousse de chocolat préparée. Comme ça. On doit bien couvrir tout le gâteau. S'assurer que la mousse est partout, dans tous les coins. Là, j'ai retiré du réfrigérateur la mousse au chocolat blanc que j'avais préparée, ou l'insert, mousse chocolat blanc et orange. Voilà. Je vais essayer de le retirer. Comme ça. Tout doucement. On place la mousse au chocolat blanc ainsi que l'insert d'orange au milieu. Doit s'assurer qu'il est bien au milieu. On va pousser un petit peu pour que le chocolat remonte et couvre le tout bien. Voilà. Et comme ça, on va couvrir. Quand vous ajoutez l'insert, il faut bien appuyer pour que le chocolat remonte sur les rebords. Il faut bien couvrir maintenant et ajuster la surface. Et on va bien ajuster pour avoir une belle surface. On va placer au frais et il ne restera plus qu'à garnir le dessus de notre gâteau. On va passer à la décoration de notre charlotte. Alors, puisque j'ai fait un insert aux oranges à l'intérieur, donc je vais utiliser une orange pour la décoration. Je vais couper l'orange à vif pour avoir des segments d'orange. Voilà. Et là, on prend l'orange et entre chaque pièce, pour chaque segment, on va juste enlever comme ça pour avoir des tranches comme ça. Donc, sans la peau, toujours. Maintenant, on va préparer une chantilly pour décorer la charlotte. Donc, je vais monter un petit peu la chantilly et je vais ajouter à ça un peu de cacao et un peu de sucre.
Là, j'ajoute donc un peu de sucre tamisé, bien sûr, et un peu de cacao. Le cacao, ça va dépendre de la couleur de la chantilly que vous voulez avoir. Je vais tout d'abord, comme ça, introduire le tout. Je m'assure que le tout est bien introduit, comme vous voyez. Et je vais fouetter, sans trop fouetter bien sûr, pour avoir un effet de chantilly et non pas un effet de beurre. Comme ça, j'ai la texture voulue. Je vais mettre ça dans une poche à douille et on va commencer la déco de notre charlotte. Pour la décoration, je vais faire juste de simples fleurs. Et je vais décorer avec les oranges, les segments d'orange entre chaque fleur. Et juste décorer le milieu, ou bien avec de la confiture d'orange, une gelée d'orange, ou encore juste du chocolat râpé. Moi, j'ai ce genre de chocolat que je vais juste comme ça éparpiller au milieu de mon gâteau, de ma charlotte.